Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakrabedin. Bienvenue à Air Power avec Kakrabedin. Il est le pasteur principal de Morningstar Cathédrale, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Accra au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra commence une nouvelle série intitulée Anakazo. Rejoignons-le pendant qu'il introduit le sujet. Luke chapter 14 verse 16 is our key scripture this morning. Luke 14 verset 16 est notre passage clé ce matin. A man was talking to Jesus and Jesus said to the man, blessed is he that shall eat with me in the kingdom of heaven. Un homme parlait à Jésus et Jésus lui a dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux. And he said unto the same man, a certain man made a great supper and bade many. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. And sent a servant at supper time to them that were bidden, come, for all things are now ready. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. You know, anytime God calls you, what it means is that before he called you, he has made everything ready. Vous savez, à chaque fois que Dieu t'appelle, ça signifie qu'il a déjà tout apprêté. That's why it's always good to walk in the will and the purposes of God. C'est pour ça que c'est bon de marcher dans la volonté de Because Dieu. Because all things are ready even before you get there. Parce que tout est prêt avant même que tu n'arrives là. Next verse. They all with one consent began to make excuse. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. One said, I have bought a piece of ground and I must needs go and see it. I pray you, have me. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Another said, I have bought 5 yoke of oxen. I go to prove them. I pray thee, have me excused. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Another said, I have married a wife and therefore I cannot come. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. I understand this one's excuse. Sometimes when you go out, your wife will call you, where are you? Je comprends l'excuse de celui-ci. Souvent quand tu sors, ta femme t'appelle pour te demander, mais tu es où? This man's excuse, I think I understand it, but I don't agree. Alors je comprends un peu l'excuse de cet homme, mais je suis toujours pas d'accord. And the servant came and showed his lord these things. Et le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Then the master of the house, being angry, said to his servant, go out into the streets and the lanes of the city and bring in hither the poor. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues et amène ici les pauvres. He said, if you prepare the meal and there are some people who are so full they cannot come, then look for those who are hungry. Il dit, si tu as préparé la nourriture et les gens sont tellement rassasiés qu'ils ne veulent pas manger, cherche ceux qui ont faim. In life, there are some people who may not value what you have. Don't be worried. There are some people who are hungry for what you have. Dans la vie, il y a des personnes qui vont pas valoriser ce que tu as. Faut pas t'inquiéter. Il y a des gens qui ont faim de ce que tu as. Go look for them. Va les chercher. That's why sometimes you don't have to waste your time when you are talking to people about Christ. C'est pour ça que souvent, faut pas te fatiguer quand tu parles à Jésus de certaines personnes qui vont t'envoyer dans des débats. Two men. Where did the other one come from? Those people, they are not hungry. Ils vont te dire, mais tout ça, mais ça vient d'où? Ces personnes n'ont pas faim. Forget about them. Oublie-les. Go look for people who are hungry. Otherwise, one person will just waste your time on some useless argument. Va chercher des gens qui ont faim. Ne perds pas le temps avec des gens qui vont te perdre le temps dans des discours vains. Are you understanding me? Est-ce que tu me comprends? One girl, you are fooling her around. You bought biscuits. You bought fried rice. Souvent, tu cours après une fille, tu lui achètes des biscuits, du riz frit, du riz qu'on connaît. Chicken. Every time she's thinking, praying, leave her. There's somebody who is hungry. Tu vas lui acheter du poulet. Elle est toujours en train de réfléchir, prier. Laisse-la à quelqu'un qui a faim de ton amour. Quelqu'un a faim de ton amour ailleurs. Les garçons, vous devez dire amen. So he said, go out into the streets and lanes of the city. He said, bring in the poor. Il dit, va dans les rues et dans les places publiques. Emmène les pauvres. Those who are hungry, they don't have nothing. Ceux qui ont faim, qui n'ont the rien. The maimed means those who are cripples. They have 2 legs, but they can't walk well. Les boiteux, c'est ceux qui ont 2 jambes, mais qui ne peuvent pas bien marcher. The halt are cripples, but 1 leg has been cut. Les estropiés, eux, par contre, une de leurs jambes a été enlevée. So somebody who is halt has a more serious problem than the one who is lame. Alors un estroprié a des problèmes plus graves que celui qui boite. He said, go and gather all these people, the blind. He said, go and gather them. Il dit, va chercher toutes ces personnes, les aveugles aussi. Then this servant went out and went up.
He went and gathered all these people and he came back. Et le serviteur est parti, il a rassemblé toutes ces personnes, il est revenu. He said, Lord, I have done as thou hast a commandment, and yet there is room. Il dit, Seigneur, j'ai fait tout ce que tu as ordonné, mais il y a encore de la place. Then the master said, okay, go out into the highways and the byways. Le maître a dit au serviteur, va dans les champs et dans les longues haies. So he said, this time leave the city, leave the streets and the lanes of the city. He said, expand your territory. Il dit, cette fois-ci, quitte la ville, quitte les rues, étends ton territoire. Expand the search, make it bigger. Go further. Fais une recherche plus grande, va plus en profondeur. Sometimes you need to go further. Souvent tu as besoin d'aller plus en avant. If what you are doing is not working because of location, you just have to go further. He said, try other things. Quand tu fais quelque chose qui ne marche pas à cause de la localisation, tu dois aller plus loin. Il dit, essaie quelque chose d'autre. Go out into the highways and byways. He said, compel them to coming. That's verse 23. That my house may. Verset 23, va dans les longs, dans les champs, dans les longues haies et contrains-les à venir. Fais que ma maison soit remplie. Somebody say, compel them. Que quelqu'un dit, contrains-les. This morning, I want to share with you an important subject. Anakazo. Tell somebody anakazo. Ce matin, je vais échanger avec vous un thème important. The word anakazo is actually a Greek word. So that word compel is the Greek word anakazo. Le mot anakazo, c'est un mot grec. Anakazo. C'est le même mot qui est contraindre. Merci de nous avoir suivis. Nous avons appris aujourd'hui que anakazo signifie contrainte. Réjeanons Kakra demain à la même heure alors qu'il approfondit le sujet. Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Merci de nous avoir accordé votre temps. Pour tout sujet de prière et conseil, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au plus 233 55 790 10. Vous pouvez nous envoyer un email à info@kakrabeden.org. Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au plus 225 65 27 39 40 ou encore au plus 233 20 75 75 215. Nos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.